Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est reparti. Cette fois-ci, on va arriver dans le mois de juillet. Juillet qui va être donc la période la plus chaude. On a 15 jours qui vont arriver à très 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 chaud. Alors, qu'est-ce que je vais changer cette fois-ci? Je vais changer pas mal de trucs. Déjà, je ramène les animaux dans cette zone-ci. Je leur ai mis des lits et puis ils vont pouvoir venir bouffer ici. Pourquoi? Parce que je voudrais vider ceci. Ramener tout dans ce coin-ci. Hein, la bouffe ici, le reste. Hein. Ensuite, je voudrais pouvoir ne plus rentrer par ces portes-ci pour que le frigo soit un petit peu plus froid. Fasse plus froid plus longtemps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Donc, pour le moment, j'avais remarqué que nous avions un petit problème d'électricité ici. Donc, je vais demander de repasser ceci à cet endroit. Ensuite, je vais également demander de réinstaller celui-ci. On va le mettre sur une ligne, à côté d'une ligne électrique. Il sera très bien ici. Voilà. Donc, j'ai envoyé Jean me faire ça. Et je vais également... Attends, on va supprimer. On va lui demander de faire ça. Et puis... de mettre la deuxième ligne ici aussi, voilà, et de mettre la deuxième batterie ici, voilà, Jean va faire ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai demandé à faire? Grizzly, lui, il va apporter les chaises. J'ai déplacé ici un lieu de dépeçage. Nous n'allons plus attendre du bois, parce qu'on ne le verra jamais à mon avis. Par contre, j'ai demandé de le faire pousser, enfin, quand on aura fait la recherche, je le ferai pousser là-bas. Ensuite, j'ai demandé quoi? J'ai demandé de me faire d'abord un plat raffiné parce que j'ai 33 et 46 viandes ici. Et donc, on va me faire, j'ai besoin de 10 plats raffinés, mais pas par 10. Je voulais le faire par 4. Donc, on va refaire ça. Donc, je veux 4 plats raffinés. Je demande que ce soit Grizzly. Je veux qu'il me mette ça à raffiner, je vais vous montrer où ça se trouve. Je veux que tu me fasses ça jusqu'au moment où tu en as 10. Et je veux que tu recommences à m'en faire dès qu'il n'y en a plus que 6. Je ne veux pour le moment que des pommes de terre avec de la viande d'iguane et de la viande d'écureuil. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore découpé les renards et je n'ai pas... Non, renards c'est des fennecs, c'est de la viande de renard et les dromadaires. Ensuite, nous voyons que nous n'avons plus que 77 ici de viande, donc elle va vite partir. Donc il faudra que je ramène tout d'abord, commencer par ceci, ramener de l'autre côté. On y va. Alors, j'ai demandé aussi, ici, donc on a terminé, j'ai demandé d'arrêter ceci. Je veux que Libellule vienne m'ouvrir la porte là-bas, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, tout ça, ça se passe pas trop mal, on espère. Toi, tu ramènes notre chaise, puisque pour le moment, je ne fais rien. Je demande de nettoyer, bien entendu, avant de commencer à manger, à faire à manger. C'est parti. Voilà, lui, il va maintenant s'occuper d'aller me chercher les deux viandes qui sont là-bas. Donc, 54 degrés, on n'a pas de problème, on tire le coup jusque-là. Le problème que j'ai, c'est que j'ai laissé mon ami nettoyer un petit peu trop avant de faire la bouffe. Alors, cuisinier. Alors, il est cuisinier et il nettoie en deux, donc on le passe en trois de nouveau. Merci, Grizzly, viens faire ça, s'il te plaît. Voilà. Ok, t'es parti, tu me fais ça correctement. Donc, par contre, ici, je vais avoir un petit problème, parce qu'en la laissant là, je risque d'avoir une double explosion. Donc, on va quand même l'enlever, la réinstaller. On va la réinstaller ici, elle sera très bien. Voilà. Donc, notre copain là, ben, on n'espère pas trop qu'il reste avec nous. Enfin, je n'ai pas trop envie qu'il reste avec nous. Addiction au Smokeleaf, besoin grand marcheur, douillet, masochiste, je crois pas que ça soit une bonne idée d'avoir ça. Ok, toi tu continues à prendre la viande.
Alors, par 5, c'est pas normal que tu me fasses ça par 5, mon ami. Donc, on va repositionner là. Voilà, comme ça, tu iras un peu moins souvent là-bas. Toi, mon petit ami, tu es parti faire ça. Et ça, ça ne me plaît pas de trop. Tant pis, maintenant que tu y es, tu y es. Je lui ai demandé de faire de la pierre. Donc, maintenant, ici, je ne veux plus autoriser ceci. Donc là, il est parti... pour créer, parce que je veux remplacer toutes mes portes en métal par ça. Ensuite, maintenant, je veux que tu arrêtes de me faire ceci. Je veux que tu viennes me chercher, mon ami, de la pomme de terre. Toute la pomme de terre que tu peux, tant qu'il fait pas trop chaud. Voilà. Ok, il est parti. Donc lui, il est parti maintenant me chercher un petit peu plus de viande à la fois. Par 20, c'est exactement ce que je veux. Donc on n'en a plus que 19, il pourra le faire plus qu'une seule fois. Donc qu'est-ce qu'on va demander maintenant? Ça va être de faire un dépeçage d'une créature. Comme j'ai tout supprimé, ben, il va choisir lui-même là-dedans. Maintenant, tant que c'est froid, ça va. Maintenant, stop, j'arrête. Je suis à 2 jours 6 ici. Je suis à 3 jours 6. 4 jours 8. 2 jours 3, 4 jours 4, 1 jour 9. C'est donc celui-là qui doit être en premier lieu, qui doit être fait en premier lieu. Donc, je fais ceci. Ok. Et je vais rajouter la viande de renard dans mes 4 plats à raffiner. Viande de renard, c'est ça que ça va donner. Là, je suis obligé de stopper le jeu. Là, je suis désolé. Et on fait la même chose... cuisiner un plat raffiné, on va te stopper. Voilà, on est parti avec ça. Donc le chauve, lui, il est parti chercher tout ça. Normalement, on doit tenir le coup un petit peu plus, surtout qu'une fois qu'on va commencer à vider un peu la pièce, normalement, je devrais pouvoir garder la température froide un petit peu plus longtemps. Bon, le problème, c'est quand il n'en prend que 20 à la fois pour les emmener là, mais bon. Donc, je vais regarder, on continue ici. Est-ce qu'on a toujours de la lumière dans cet endroit-ci? Il fait sombre, donc je vais demander de déplacer, réinstaller. Ici, ça ne va pas bien aller. Je vais demander, une fois qu'elle a fait ça, ici, on va le miner, et donc elle va me miner ça après. Ensuite, on demandera de réinstaller, elle ne peut pas réinstaller tout de suite là. C'est le problème, c'est ça, hein. Ok, Grizzly, tu me fais quoi, mon ami? Tu te relaxes. C'est une bonne idée, mais j'ai besoin que tu travailles. Donc, on a ici, nous, des deux. Vous vous demandez pourquoi j'ai pas encore fait de lit double? Mais ben, c'est parce que j'ai pas beaucoup de métal pour le moment. Et on fera ça par après. Il n'y a pas d'urgence. Notre santé mentale est bonne, donc ça va. Grizzly, donc on va laisser ici. Grizzly, je voudrais, tu en as 6. On va te laisser peut-être remonter un petit peu. Comme ça, c'est bon. Combien il fait de degrés? 60. Alors, est-ce que... Oui, là j'ai de la viande de renard. Ok, normalement il va aller la chercher. C'est bien juste. D'abord parti sur la plus vieille, c'est parfait. C'est bon. Et tu vas quand même en chercher aussi. Bien, 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 bien. Alors, Libellule, tu es parti jouer au fer à cheval. Bon, malheureusement, mes petits copains ici, ils vont quand même souffrir pas mal. Bon, le chauve, tu vas encore aller me chercher des trucs. Trop que tu me passes ça pour le moment. Je vais d'ailleurs te mettre en transport ici. Donc j'ai demandé que tu me fasses des pierres, c'est de l'artisanat, tu es en 3, et donc je vais te mettre le chauve en 2. Voilà. Donc comme ça, une fois que tu auras fait ton travail avec celui-là, ben, tu feras le reste.
Alors, j'ai combien? 63. Là, ça monte parce qu'on vient d'y passer, hein, c'est malheureusement. Parce que cette pièce-là est vraiment une grosse saloperie. Elle est hyper chaude, elle ne refroidit absolument pas. Par contre, les autres ici sont beaucoup plus fraîches. Sont beaucoup plus fraîches. Mais c'est parce qu'on a un autre type de plafond, hein, c'est pour ça aussi. Ok. Alors, Grizzly, tu es parti dormir un petit peu. Alors, il y a encore 30 de viande, mais tu ne peux plus en faire pour le moment. Donc, on va te faire faire ici du pemmican avec de la viande. Là, ça va être n'importe laquelle. Je n'ai plus que, de toute façon, que de la viande de renard. Voilà. Donc, on va te demander de faire ça après. Mais tu commenceras d'abord par nettoyer les saletés qu'il y a ici, parce que je ne veux pas que notre nourriture soit empoisonnée, bien sûr. Ok, on va augmenter la vitesse ici. Alors, on est à combien? 66. Pas terrible, hein? Alors, tout ce que je veux, c'est que ces bestioles-là ne pourrissent pas, bien entendu. Et je voudrais commencer par d'abord les renards, les fennecs. Pourquoi? Mais pour augmenter ici notre niveau professionnel, donc notre niveau de boucherie de 95, le passer à 98 par exemple. Voilà. Là, il est parti en chercher pour 14. Alors, on a quoi maintenant? J'ai une maladie animale, un rabat, à la peste. Alors, rabat, tu as la peste, et c'est un animal de quête. On va regarder quelle est ton immunité. Alors, ton immunité... Réponse immunitaire est à 110%, donc ça devrait aller. On va demander à Libellule d'aller le soigner tout de suite. Voilà. Et on va regarder ce que ça va nous donner. Je regarde si c'est bien sans médicament, oui. Et on va regarder si c'est suffisant. Pas terrible. Hein, Alors, peste légère. Progression d'immunité. Est-ce que on va progresser plus vite ou pas? Ça n'en a pas l'air du tout. 3%, si, je pense que ça va aller. 4%, ouais, on est bon. On passe au-dessus. 5%. Ok, on gagne. On est bon. Ok, c'est bon, tant mieux. Voilà, j'étais pas à mon aise. Alors, maintenant, on peut demander, bien entendu, aux gens, on va leur dire de bouffer du plat raffiné. Donc, on va mettre à tout le monde du raffiné, mais on va vérifier. Choisir alimentation, le raffiner ici, et on va lui dire que tu ne veux que du raffiné, bien entendu. Ok, c'est parfait. Lui également, on va recevoir du raffiné. Ok, voilà. Ok, donc normalement, Grizzly, tu mines du métal compacté, et ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que je veux que tu continues à venir ici. Donc il fait 2 degrés, qui est le suivant. 2 jours, 3 jours et demi, 1 jour 8, 4 jours et demi, et 4 jours 3, 1 jour 5. Donc, Grizzly, tu viens, lieu de dépeçage, et donc je vais dire en boucle. Et tu viens ici, mec. Voilà. Shigeru Vélo est complètement guéri et il ne veut pas rester avec nous. Eh bien, mon ami, tu es invité. Tu avais un beau pantalon en hyperfibre. Malheureusement, ça ne va pas faire grand-chose avec. Tu vas aller fumer tes joints ailleurs, hein, mec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Masochiste, douillet. Et addiction. Donc, tu vas aller mourir, à mon avis. Tu vas mourir dehors. Lui, il va pouvoir passer, même si c'est fermé, comme il veut partir, il va pouvoir y aller.
archéologique. Voilà. Il sort, il va essayer de rejoindre sa faction. Et on va voir s'il va tenir le coup jusque-là. L'onde psychique apaisante s'est arrêtée. Ça donne 64 degrés, 3 degrés ici. Alors, chez Pupium, je regarde l'étage ici. Donc, j'ai d'abord les plats raffinés et ensuite ceci. Parfait. Alors, tu n'as plus assez de nourriture, à mon avis. Tu n'as plus assez de viande. Hein. Donc, le monsieur suivant. 0 degré, on va en prendre un n'importe lequel, je ne sais plus lequel c'est, mais voilà, on va faire ça. Le problème que je vais avoir également, c'est qu'ils vont tous se retrouver un petit peu dans le noir, bien entendu. Mais bon, c'est pas des plus graves, la chose la plus grave qui est. Voilà, je suis à 2 degrés, comme ça je peux voir le suivant. 1 jour 8, 4 jours 3. Orage sec. Là, il va aller me foutre le feu quelque part. Donc on surveille. Ben bon, on surveille, on a ça, nous autres, ça c'est le bon avantage. Voilà, lui il continue. Alors, 67 degrés. Je vais maintenant fermer la porte ici, enfin empêcher qu'on puisse venir ici. Pour le moment, j'ai pas trop besoin de ça. Pas spécialement. Ça veut dire que on va pouvoir travailler la pierre. Donc, je vais demander à notre ami Jean. Jean, tu vas me faire la pierre. Donc, je vais te passer en 3 maintenant. Donc logiquement tu vas aller me faire la pierre, je pense. Oui, c'est parti me faire la pierre. Parfait. Libellule. Tu joues, ok, tout ça c'est bien. Bah, tout a l'air de pas trop mal se passer. Voilà, on est repassé en négatif. Donc. Par contre, ça m'embête un peu d'être passé en négatif. Ouais, de toute façon. On va prendre celui-ci. Ah, hop, à ton tour. Et donc, je crois que je n'ai plus de possibilité. Ah, tu m'as mis de la bouffe là? Ouais, ça va, c'est pas grave. Et donc, attends, on se risque. Okay. Ah bah, tu feras ça avec. Également de la viande. Ok, il y a de la viande de tout, donc ici par contre je ne veux toujours que grizzly et le pemmican tu le mets où tu veux. Alors on pourrait peut-être en profiter pour aller faire nos portes à l'extérieur. J'ai que 20, il me faut plus. J'ai demandé en boucle, donc ça va. Donc ça sera pour Jean, hein. Jean va me faire ça. Eh bien, je ne sais pas comment il va faire notre ami Slam pour survivre avec ses 400 pémicans. Parce que là, ça pousse pas beaucoup, hein, je dois dire. Parce que pendant la nuit, ok, mais la nuit, ça pousse pas. Et si vous regardez ici, on n'a pas avancé beaucoup depuis qu'on est... Voilà. Et je crois que là, on va avoir la grosse chaleur qui va bientôt arriver aussi, hein, non? On peut supposer, en tout cas. Stop. Une éclipse. Une éclipse, c'est... il va faire nuit. On est habitué, et donc, ça, ça va pas repousser de plus non plus. Ah oui, donc l'autre, il est mort, là. Ok. Ok, ok, on peut ramener ton joint. Et alors j'avais oublié, il y a un mec ici, on l'avait complètement zappé. Redek, là, le vieux de 84 ans, il est mort, il n'a pas pu aller bien loin. On va bien le laisser où il est là. Pour le moment, l'autre aussi, on va le laisser pépère.
Je vérifie si vous voulez bien aussi. Nous sommes le chauve, tu viens là, mon ami, Intramuros. Tout le monde d'ailleurs va être en Intramuros. Alors, Intramuros, c'est architecte. Rada n'est plus. Ah oui, Rada, ok. Alors, Intramuros, c'est. Ouais, c'est parfait. Et c'est également jusqu'à la porte. Oui. Oh, oups. Alors là, on a un pépin. Là, on a un pépin. Étant de la zone de la base, on fonce tout le monde dehors. Alors, on va assurer le coup ici. En plus, on va ajouter dans ma zone intra. Intramuros, on va ajouter ceci. Alors, messieurs, vous y allez tous. Vous venez tous ici. Parce que j'ouvre la porte, sinon je ne vais pas y arriver. Allez, chauffe, viens vite. Tu ne peux pas. Alors, tu ne peux pas. Toi non plus, tu peux pas. Donc, c'est que ma porte, je ne sais pas ce que j'ai fermé. Là, c'est ouvert. C'est même tout bleu. Maintenant, le chauve. On fonce. Libellule. On fonce. Toi. Ouais, on fonce. Tout le monde, le petit gars. Laissez pas cramer tout ça. Ok, stop. Ouais, on en a 60. On pourrait en profiter. Libellule, tu vas en dehors de la zone de base. Tu vas augmenter la zone de base ici, ici, ici. Libellule, je veux que tu me répares la porte en métal. Ensuite, tu vas m'apporter ça et m'apporter ça. Ok. Comment il fait 52, 60 degrés. Bon, le chauffe t'en profite un peu, ça va te faire du bien. Tu fais quoi? T'as fait un toit. Et tu apportes des gravats. Mais c'est bien, profite-en, mec. Allez, on continue. Là, 4 degrés. On va regarder maintenant quels sont les animaux en premier lieu. 22 heures, 12 heures, 1 jour, 1 jour, 3 jours, 4 jours. Donc, le prochain, c'est toi, mec. Allez, hop. Grizzly, mets-toi d'abord avant de finir ton plat. Ça me donnera plus de chances de. De ne pas empoisonner mon histoire. J'aime pas quand ça va trop vite, hein, non plus. Oh, ok, on a une porte de fête, l'autre n'est pas fini. Libellule. Tu es en relaxation. Et dès que tu as fini, tu vas me finir ça, ma petite fille. Ok. 66 degrés. 4 degrés. On continue, on vérifie. C'est à toi à passer. 21h, 16h. Je ne veux plus de plats normalement ici. Stockage, on va l'interdire, les plats. Je ne veux pas de plats. Voilà. Pourquoi je veux pas de plats? Parce qu'on va les bouffer. Coup de chaleur, oui. Alors, la quête gardiennage. Je voulais garder quelqu'un. Alors, j'ai changé ici, on va changer, je ne veux plus accepter de meilleures relations pour l'instant, ça ne m'intéresse pas vraiment.
Et donc, si j'ai quelque chose de leur part, je ne veux pas de relation, je veux des cadeaux autres que ça. Et donc, on va d'ailleurs là supprimer cette quête-là. Je n'ai pas envie de garder ça. L'éclipse, on s'en fout. Ici, c'est terminé la porte en ardoise. Ici, la porte en métal est réparée. Donc, Libellule, maintenant, va pouvoir travailler sur autre chose, comme... Est-ce que j'ai de la pierre? J'ai de la pierre. Donc, je veux que Libellule me mine ceci. Et qu'ensuite, elle me fasse une porte. Comme ceci. Construire une copie. Et on va en mettre une ici, une copie. Une, et puis on en mettra une deuxième. Tout ça me semble très 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 bien pour l'instant. Extérieur 71 degrés, les enfants. Yak. Bon, Libellule. Tu me fais quoi, Libellule? J'ai besoin de vérifier ici. Oh, le chaud. Tu vas plus aller là-bas, mec. C'est fini. Ça, on interdit. Voilà. Alors, vous m'excusez, mais j'ai besoin de savoir lequel. 2 heures, 6 heures, 8 heures, un jour, deux, et celui-ci. Donc, toi, tu es en premier lieu. Et d'ailleurs, tu vas être fait tout de suite. Sinon, on va perdre notre bestiole. Ensuite, le suivant, c'est 6 heures. 9 heures. C'est 6 heures. Même si la viande meurt, je m'en fous. C'est pas le plus important. Moi, ce qui m'importe, c'est les poils. Le cuir. Tu as fait 98%. Bon, là c'est ouvert. Ok, on a une porte. On n'a pas de porte pour le moment. Donc, porte en ardoise. Construire une copie. La copie, on va la mettre ici. Là. Et là, il y en a déjà une aussi. Ok, voilà, ça c'est fait. Tout est bon. Oui, je suis désolé, hein, les enfants, mais moi je veux bien, mais il y a des moments. Bon, là je vais vite. Je déteste ça d'ailleurs. Grizzly, tu vas me nettoyer le sang d'un dromadaire d'abord, parce que là il y a un petit peu trop. Voilà. Alors, ici, un jour. Ok, l'éclipse est finie. La température est redescendue un petit peu. Alors, on a beaucoup de viande. Hein. On n'a plus que deux, donc normalement, ceci devrait commencer par les plats. Logiquement, c'est des plats qui devraient le faire. Mais il préfère aller un petit peu dormir, il a bien raison. Alors, la porte... De chaleur, là il fait combien? Il fait 60, là il fait que 38. Regardez-moi ça. Ah ouais, ça tient quand même nettement mieux. Là la porte, elle est faite. Donc maintenant là je suis à 51 et là je suis à 38. Ouais. Par contre là on est toujours à 53, 54. Ok. Eh ben, tout semble parfait pour le moment.
Donc, on a une porte ici, on a une porte là. On va donner encore un peu de travail à notre ami. Donc, ça, c'était mon truc principal. On va d'ailleurs agrandir la zone pour couvrir tout ça et tout ça ici. Donc, maintenant, ils peuvent aller dehors, mes petits cats. Ça, c'est une très, très, très bonne chose. Par contre, nous allons également commencer à creuser ici. Et nous allons ramener ceci, celui-ci, et on va le réinstaller ici pour pouvoir mettre après une lampe supplémentaire. Ah, que ça fait du bien de pouvoir ne plus passer par ici, les enfants. Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire ça tout de suite, quoi. Tout de suite. Alors, 9 jours 6, 7 jours 3. Toi, t'es le suivant. Non! J'en ai perdu un. Quel idiot. Mais quel idiot. Jean, c'est pour toi, mon gars. Oh, quel idiot, Jean. Mon Dieu, quel idiot. Je ne l'ai pas vu. Je sais pas pourquoi je me suis fait avoir comme ça. Jean, bon, tant pis, on perd 40, 41 de. Mais bon. Tu vas aller me transporter ce petit quête-là. D'ailleurs, tu vas le faire par ici, ça ira plus vite. Donc, tu viens. Non. Voilà, c'est ça que je veux que tu me fasses. Pouc. Et maintenant, ici, on ne passe plus. D'ailleurs, là, non plus. Je ne vois pas pourquoi on passerait là ou là. 36 degrés, dehors il fait 67, mais bon, coup de chaleur pour Jean, c'est pas grave, ça va lui passer très vite. Ok, on commence à avoir maintenant suffisamment d'acier pour nous créer un. On va pouvoir se créer notre chambre ici. Ah ouais, avant de finir ça, j'ai besoin que tu me fasses ceci, mon ami. Viens comme ceci. Jusque-là. Comme ça. Ce qui va me permettre également ici, comme ça. Voilà. Bon, il fait un petit peu crade hein, chez toi maintenant. Médiocre, ouais. Toi, mon vieux. Tu viens un petit peu, tu me fais quoi? Tu viens transporter des pommes de terre, oui. Et viens vite me faire un peu de nettoyage dans cette petite pièce ici. Ah, ce serait quand même plus sympathique pour notre ami ici, légèrement impressionnant. Voilà. Alors, c'est à ton tour après. Ok. Et je n'ai plus de trucs comme ça. Donc les gens vont crever si on ne me fait pas. Donc à mon avis, j'ai oublié un petit truc ici. C'est que je n'ai pas mis viande de dromadaire. D'ailleurs, cette fois-ci, je vais tout autoriser. Sauf la chair humaine, ni les OGM. Par contre, pomme de terre, ça reste bien comme ça. Voilà, donc normalement notre ami va nous faire des plats. Sinon les gens vont crever de faim. Puisque je les ai tous mis en. Pourquoi je n'ai plus de. Alors, un raid. Un raid. Un groupe d'indigènes. Ils se préparent un certain temps. Alors, ils ont des liens avec nos prisonniers. Là, des gens de la famille. La mère du colon, Jean le Chauve. Eh ben. Eh ben, dis donc. Comment est-ce qu'elle est, notre mère? Oh, dis donc. Femelle humaine de 27 ans. Comment ça se fait que ma mère est plus jeune que moi?
Et Slam, ma mère est plus jeune que moi. Et attends, et la vraie, mais la bio, voilà. 180 ans, ok, 27, elle est restée dans le truc pendant 180 ans. Ah, et celle-ci, j'ai ici que 116 ans. Ouais, il y a quelque chose que je pige pas trop, mais bon. Alors, t'as un poil, toi? Il nous envoie des gens à poil. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette dame-là? Santé. Elle est parfaite, la santé. Sa bio. Sa bio. Elle ne fout rien. Comment ça, sa bio, j'ai rien. Ok, ben on va. Et qu'est-ce qu'elle va me faire là? Elle va aérer pour le moment, je suppose. Ah oui, il fallait d'abord la laisser un petit peu venir. Comme ça, on peut voir ce qui se passe. Donc, sa bio. Elle n'a pas de bio. Whiz, elle n'a pas de bio. Comment ça, elle n'a pas de bio? Ah ben, on a sa bio ici. Hein. Pourquoi j'ai pas de bio là, moi? Marrant, hein? Heureusement, on l'a ici. Donc, elle a 20,21 de tir. 8,54. 10 d'intellect. 8, 13 d'artiste. Oh, c'est mon artiste, ça. Est-ce que Jean Le... Ah, Jean Le Chauffe est déjà marié. C'est dommage. J'aurais bien voulu savoir s'il pouvait se marier avec sa mère. Ok, ben alors, donc c'est une femelle. Ben on a un jeune mâle qui va être bien pour toi, Wiz. Hein, celui-là, il va faire le. Il va, ben, 29 ans, c'est parfait. Ok, donc on va prendre ce lilas. Le lilas, le mobilier, hein, bien entendu, pas. Pas l'arbre, hein, comme je dis. Donc, toi, tu me fais ça. Dès que tu as fini, tu me fais ça. Et ensuite, ici, on va mettre architecte, température, une ventilation. C'est ça que je voudrais que tu me fasses. Donc, tac, tac. Tac. Voilà. On ne devrait pas avoir trop de problèmes. Ah, je pense qu'avec 76 degrés, une personne qui vient toute nue, comme Louise, va tomber dans les vapes bien avant qu'il se passe quelque chose de grave. Donc on va patienter hein, que tout se passe bien.